Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un modèle que nous venons tout juste de recevoir. Son nom est affiché ici. Je pense que certains l'auront reconnu. On va vous présenter ce modèle tout de suite. Et ce modèle, c'est le Ulefone Power. Alors, le Power, voilà, il est arrivé, une boîte marron légèrement métallisée, comme vous pouvez le voir. Le tour rapide de la boîte, pas grand chose, c'est la boîte à le style donc Ulefone. L'arrière de la boîte montre quelques petites spécifications de ce nouveau modèle. Une batterie de 6050 mAh. On sait que c'est un processeur octa-core, donc 64 bits, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran 5,5 pouces en 1080p, LTPS, IPS, donc un Full HD, un écran courbé sur les côtés 2,5D, charge rapide, donc je le répète, Full HD, ils le disent déjà ici, mais bon, c'est pas bien grave. Une caméra arrière Sony, donc la 214 XMORE, donc 13 mégapixels. Une caméra frontale 5 mégapixels et c'est une OmniVision. C'est la 5648 et il est 4G. Voilà pour la bête. Et premier déballage, on le fait en même temps que vous, nous l'avons même pas encore démarré. C'est un peu une première parce que généralement on démarre déjà les smartphones pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et là, nous ne l'avons pas encore testé. On l'a juste retiré donc de sa pochette. Voilà donc pour ce Power. Et on l'a remis dans sa pochette quand même parce qu'on a quand même vérifié qu'il n'était pas esquinté. Donc on va le mettre de côté. On va regarder tout de suite donc le contenu de la boîte fournie par Ulefone pour ce Power. Alors, ça, est-ce que ça se retire? Non, ça se tourne uniquement. Alors, petit premier point, voilà, petite chose, la pin pour ouvrir, puisque c'est un unibody, la batterie est inamovible. C'est un peu là que c'est un peu moyen, puisqu'une batterie de 6050 mAh à charge rapide, elle risque de ne pas durer peut-être dans le temps, donc en espérant que ce soit une super batterie. Et à ce sujet, Ulefone annonce que c'est une batterie de 6000, donc 50 mAh, mais une batterie Sony, fournie par Sony. Donc, alors, donc la pin qui n'est pas emballée, bon, bref, un casque, USB, micro USB, on n'est pas encore en type C sur ce type de smartphone. Un câble OTG, donc on sait qu'il est OTG. Un chargeur prise européenne que vous voyez tout de suite. Et c'est un chargeur logoté Ulefone. Et c'est un chargeur de 1,5 ampères. C'est étonnant puisque une batterie de 6050 mAh charge rapide, la plupart mettent des chargeur de 2 ampères et j'ai dit une bêtise, en fait il est à double sortie, il peut faire du 2 ampères et du 1,5 ampères. D'accord, bon voilà, donc 2 ampères et 1,5 ampères. Voilà pour le chargeur. Tout ça c'est de la mousse bien épaisse, c'est bien protégé. Ils nous fournissent avec une coque en silicone et c'est du vrai silicone, voilà, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a en plus? Un film supplémentaire pour l'écran. Une documentation. Une documentation, est-ce qu'elle est bien fournie? Blablabla, c'est une belle. Quelques petits pictos. C'est écrit en quoi? En italien, en allemand, espagnol, russe, néerlandais. Ont-ils pensé au français? C'est peut-être au début. On va vérifier ça tout de suite. Anglais, français, consigne de sécurité, bon, c'est pas grand-chose. Bon, c'est succinct, mais ça mérite, je le répète, d'exister. C'est quand même déjà pas mal de ce côté-là.
Ça, c'est plutôt aussi un bon point, une coque silicone qui est livrée donc avec ce smartphone dans sa petite boîte. On pose le smartphone, on le retire de sa pochette, on range la pochette, on ferme le tout. Voilà. Et comme j'aime le faire, on va essayer. Voilà, ça y est. Le power avec sa boîte. Et on va le regarder donc tout de suite, ce power. Alors voici donc ce power. On a laissé le film de protection marqué donc le faune. On va faire rapidement donc le tour de ce modèle. Alors vous avez sur le dessus, n'est-ce pas? De cette façon c'est plus clair. Donc le jack 3.5, et ici ce n'est pas un capteur mais c'est une télécommande qui est intégrée dans ce modèle. Bon, pourquoi pas, c'est vraiment un gadget que je trouve totalement inutile, mais bon, voilà, ils l'ont fait. Bref, sur le dessous, ici, vous avez donc le micro, la prise micro USB. Sur le côté gauche de l'appareil, donc le tiroir pour carte SIM. Alors, c'est un double SIM ou une SIM et une SD card. Voilà, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power et le bouton magique que pas mal en fait en ce moment de marque commence à intégrer sur leur modèle, tel que le Ligou, vous vous souvenez certainement, le Ligou Elite 1 qui avait en fait inséré ce bouton magique, le Magic Button, qui vous permet par exemple de prendre une photo et ne pas en fait avoir cliqué quoi que ce soit. Bref, c'est plus rapide pour prendre une photo. Sur la face avant, donc la caméra, les capteurs, le haut-parleur qui n'a pas de grille et c'est un peu dommage. Sur le bas, le bouton home ici, les deux autres on ne les voit pas. Alors sont-ils rétroéclairés? Ce sera une surprise. Et on va quand même regarder tranquillement donc ce cadre afin que vous puissiez donc bien le voir. C'est propre, c'est plutôt bien fini hein. C'est même très bien fini, il n'y a pas de souci. Il y a l'air d'y avoir où il y a un dessin en fait sur la coque arrière. On va retirer cette protection. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est strié. Voilà. Il y a des stries. Alors c'est tout lisse. Hein. C'est très très lisse. C'est pour ça que je pense qu'ils ont fourni la coque arrière en silicone. Ce qui fait que ça ne glissera pas donc dans vos mains. Alors cette face arrière contient donc la caméra 13 mégapixels. Exmor, donc Sony, le capteur 214, double LED flash, on les voit bien, voilà, un lecteur d'empreintes, ce qui est plutôt un bon point sur ce type de smartphone, c'est les premiers à l'avoir en fait intégré, donc ça c'est plutôt un bon point, un logo Ulefone plutôt bien posé, j'ai l'impression, c'est même en profondeur, donc ça doit être, ça doit pouvoir durer dans le temps. Donc le haut-parleur sera ici à l'arrière de ces trous. Et voilà donc pour la face arrière. Eh bien écoutez, on va l'allumer et on va regarder donc tout de suite ce que contient ce smartphone en termes d'application. Et aussi en termes, on va retirer ce film avant. Voilà, notre premier film de protection, hop. Donc, ce qui contient en termes d'application, au niveau de sa ROM, comment c'est fait, est-ce que c'est propre ou pas, on va regarder ça donc tout de suite, on laisse démarrer. Voilà, donc, première configuration, on va se mettre donc en français.
On va ignorer pour l'instant le réseau Wi-Fi. On va se mettre sur notre fuseau horaire. On protégera plus tard pour tester justement donc le lecteur d'empreintes. Vous voyez que c'est très simple. Alors tout de suite, on a le droit aux différents launchers habituels chez Ulefone, donc le desktop de Bingo ou le launcher 3. Donc c'est au choix au départ. On va faire une seule fois sur le desktop de Bingo. Le tactile répond parfaitement en tout cas. Voilà l'interface classique de chez Ulefone que vous avez eu l'habitude de voir sur les derniers modèles de la marque suite aux mises à jour telles que le Paris par exemple qui avait reçu en fait cette interface après réception et envoi chez les clients. Donc première interface, la voici, je vais essayer de ne pas avoir, voilà comme ça. Oui, réseau Wi-Fi disponible bien entendu. Donc pas de bouton Home ici. Alors un écran super lumineux, la dalle est plutôt jolie d'ailleurs, c'est plutôt propre, je regarde ça hein, comme ça vite fait. Alors les thèmes, donc ça c'est le thème par défaut, c'est quoi ça? Ok, on va remettre le thème par défaut et je vois pas de rétroéclairage à moins que... Alors, s'il y a un rétroéclairage, alors attendez, deux petites secondes. Alors, il y a bien un rétroéclairage des boutons, donc retour et menu. Et c'est juste un petit point et rien d'autre. Même pas de dessin, bref, c'est juste un point. Alors, qu'est-ce qu'on a donc par défaut sur ce modèle? Le Play Store est installé. Le reste c'est du classique je dirais. Qu'est-ce que c'est que ce truc Benco accueil? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne pas forcer le réseau. Bon bref. Toc. Ah ok, donc alors soit on avait c'est comme précédemment sur leurs anciens modèles. Je vais y arriver, je perds mon souffle. Donc vous avez donc le je ne sais plus son nom déjà d'ailleurs, Benco, machin blabla là, donc le launcher, voilà, on va dire plutôt le launcher qu'une ROM, hein. Le launcher Ulefone qui ne contient pas de bouton, donc toutes les applications, ou alors vous avez donc le launcher 3 qui est plus de l'Android stock, puisque vous retrouvez donc l'interface de base avec horaire et les classiques boutons, appareil photo, galerie, paramètres, Play Store sur la première page. Et le bouton, donc, toutes les applications. Et vous défilez donc les applications. Ou alors, vous prenez donc le desktop de Bingo, je vais y arriver avec ce nom à la noix. Vous avez donc ce launcher qui ne contient pas donc le bouton toutes les applications, mais vous retrouvez donc toutes les applications en multipage. Voilà, c'est un choix, soit l'un, soit l'autre. Ce truc, on peut pas le retirer. Bon, bref, ok. Alors, donc on se retrouve avec, donc je le répète, le Play Store et bien écoutez, rien d'autre. On a le Play Store, une torche. À 2 francs dont je me méfie régulièrement. Voilà, donc on a que le Play Store. Il n'y a pas. Alors l'autre n'affiche pas. Alors c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre même. Alors vous avez quand même Maps, Gmail, donc tout l'environnement Google via donc la recherche. Ok, erreur réseau. Donc tout ça c'est pas à jour par contre. Hein. Et là, erreur réseau et il est bloqué. Voilà, il a mis du temps. Bref.
Alors, Gmail, Maps, je l'ai dit. Donc, le Play Store, ok. Quoi d'autre? Un agenda, je ne suis pas persuadé. Si, c'est bien le Google Agenda. Donc, ça, c'est bon. Les contacts, ok. La calculatrice, ok. Gestionnaire de fichiers. Bref, bon, voilà. Rien de bien particulier de ce côté-là. C'est le minimum vraiment syndical. Donc vous avez Maps, Gmail, Play Store, point, le reste, et puis ici quand même l'agenda pour ceux qui renseignent régulièrement leur agenda, et c'est tout. Maintenant, on va regarder un peu les paramètres de l'appareil. Donc, menu assez classique, hein, vous avez l'habitude, Wi-Fi, Bluetooth, blablabla, les cartes SIM, blablabla, accueil, on va devoir pouvoir choisir donc le launcher que l'on désire. Je vais mettre le launcher 3 par défaut. Moi, je préfère. Affichage, on va mettre avec réglage de luminosité après 2 minutes. OK. Ensuite, son notification, rien de particulier. Stockage, sur 16 gigas, il nous reste par défaut, vous le voyez, 12 gigas 2. Aucune application a été encore installée. 12 gigas 2, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont installées, c'est certainement donc les applications Google et autres. Il vous reste quasiment 12 gigas, vous le voyez ici, 11 gigas 7. Voilà, en termes de stockage. Batterie, peut-on afficher le pourcentage? Oui, on y va, on le met. Ok. Au niveau des applications en cours, on va regarder l'espace RAM utile. Donc il nous reste 2, bon, 2 gigas de RAM sur 3 gigas. Le système prend 666 mégas donc de RAM. Les applications prennent actuellement 185. Et si vous regardez un peu ces conneries, pardon, pardonnez-moi du mot, mais ces trucs-là, sujet Benko, même le desktop de Bingo prend quand même 4,8 mégas. Bref, ces deux applications-là. Je vois pas pourquoi elle resterait alors qu'on ne demande pas à ce qu'elle tourne. Bref, le gesture unlock classique, hein. On le met en route. Slide up to unlock, on va le laisser. Double click to wake, ok. On ferme le reste. Je pense que vous avez l'habitude. Ferme. Un trait et il se rallume. Voilà. Ensuite, non. J'ai appuyé sur le bouton. Ok, donc le wake se fait sur en fait la page d'accueil. Vous l'avez vu, hein, donc je recommence. On est sur la page en fait de. Oui, la page d'accueil, d'attente, et c'est à vous de déloquer l'écran. Voilà. Blablabla. Donc le fingerprint, on le fera par la suite. Localisation, ok. Les comptes, ok. Bref, rien de particulier. Les somatosensory, c'est les. D'accord, c'est le fait de bouger la main devant la caméra à l'avant. Tricolor light. On doit avoir donc une lettre de notification qui est je ne sais pas où. Pour l'instant, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a? Unread MMS, Miss Call, Battery Low et Battery Full. Green, Red, Red, Red. Ok. Il n'y a pas d'autre couleur. Si, il y a Blue. Ok. Donc, Miss Call, Battery Low rouge, Battery Full. Très bien. Et bien, ça, on va les mettre en bleu. Hop. Et Henry MMS bleu aussi. Voilà. Donc trois couleurs. Ok. À propos du téléphone, Android 5.1. Niveau de correctif Android, 1er janvier 2016. Et le build mis à jour au niveau de la ROM, c'est du 7 janvier 2016. Ok. Donc je ne sais pas s'il y a une mise à jour. Je vais me connecter à la box internet, et puis tout de suite derrière on fera le test du lecteur d'empreintes, et puis
Voilà, je vais le connecter tout de suite sur la box internet et puis je reviens. Voilà, nous sommes connectés donc à la borne Wi-Fi de notre box. Alors premier point quand même ça vite fait, une fois de plus, hein, protection d'écran marque énormément les empreintes. À savoir quand même que c'est un écran donc en Gorilla Glass 3, donc je pense très clairement que c'est encore une protection qui voilà, est inutile, hein, très clairement. Parce que franchement, mettre une protection de ce type sur un écran Gorilla Glass 3, soit on n'a pas confiance dans le Gorilla Glass, ou alors on aime que les traces de doigts apparaissent rapidement. Donc bon, c'est au choix. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on aille vérifier tout de suite si une mise à jour existe pour ce modèle-là. Votre appareil est à jour, vous l'avez vu, donc pas de mise à jour à effectuer. Alors, on va regarder donc tout de suite, comme je l'avais indiqué précédemment, la sécurité. Alors, on va faire donc verrouillage écran type fingerprint. On va mettre 4x0 pour rester simple. Ok. Alors afficher l'intégralité, oui, voilà, donc sur la page de verrouillage, hein, donc on affiche les notifications, ok. Le device fingerprint est en train de s'initialiser. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on a? Alors fingerprint photographe, d'accord. On peut prendre des photos avec le fingerprint. Au lieu d'utiliser le bouton, on peut l'associer à autre chose ici. Donc, le quick start. Donc, accept the unlock with a corresponding function. D'accord. Donc, c'est juste en fait, on appuie et on lance rapidement. Donc, on déverrouille rapidement donc l'écran de verrouillage. Application lock. OK. Alors, new fingerprint, vous l'avez ici en bas. Ok, alors je vais vous montrer. Alors, clic 7, c'est bien gentil, mais bon, voilà. Alors, comment lui fonctionne-t-il? Vous avez en fait les deux mains, et moi je vais prendre donc ma main correspondant à celle-ci, donc ça sera là, et l'index. Donc, vous sélectionnez le doigt que vous voulez enregistrer, vous faites continuer, et à partir de là, vous mettez votre doigt sur le lecteur. C'est un peu particulier, c'est assez bizarre d'ailleurs même je dirais, parce que généralement c'est un capteur d'empreinte type Touch ID qui est annoncé pour une lecture en 0,1 seconde, 0,3 secondes environ. Alors est-ce que c'est 0,1 ou est-ce que c'est 0,3? On va regarder ça après. Pour l'instant, on a enregistré, vous le voyez, ça avance. Il est lent, hein. Il faut. Ça y est, ok. Quick start. Quick start. Est-ce qu'on veut lancer quelque chose en quick start? Just unlock, voilà, très bien. Ok. Donc, left. Alors, pour lui, c'est le left. Non, moi, je suis désolé, hein. Vu la main que vous montrez. Moi, je suis à droite. Bref. Alors, c'est comme ça qu'il fait et non pas. D'accord. Donc, lui. Ben non, ça va pas non plus. Bref. Bon, alors. Moi, je dis que c'est l'index droit. Lui, il dit que c'est l'index gauche. Bref, on va regarder ça tout de suite. Je lock. Et je mets mon index de ma main droite que je viens d'enregistrer. Oh, bah ben oui, effectivement. Il est instantané. Vous l'entendez, hein? Ok? Voilà. On recommence. Alors, on va quand même regarder si il est bien protégé. Ok. Please input fingerprint. Et effectivement, c'est du très très rapide. Ça change des modèles précédents que je nomme le B-Touch, principalement parce que le B-Touch, que nous en tout cas on a testé, et le retour qu'on a eu d'utilisateurs qui ont validé d'ailleurs nos dires, hein,
C'est quand même assez catastrophique en termes de lecteur d'empreintes sur les BitTouch 1, BitTouch 2, le BitTouch 3. On a décidé de ne pas le tester parce que franchement, il n'apporte rien du tout, hormis un CPU en dessous donc de ce qui existait. Donc aucun intérêt ce BitTouch 3, donc on ne l'a pas du tout testé et on ne le testera pas d'ailleurs. Donc là, c'est très clairement un lecteur d'empreintes nickel de chez Nickel, voilà, hein. Sachant qu'actuellement, vous trouvez donc ce modèle à 170 € en vente flash sur la boutique Gearbest. Et ce modèle vient de la boutique Gearbest d'ailleurs. Donc, bah écoutez, le lecteur d'empreintes, il est plutôt nickel, je dirais pour une fois, sur un Ulefone. Et très honnêtement, donc c'est un écran, je ne sais plus si je l'ai dit, mais bref, je le répète, c'est pas gênant. Un écran donc 2,5D, hein, donc légèrement courbé sur les bords. Voilà, on le sent ici, il est courbé, donc on est presque à bord, hein, bord très fin, bien entendu, mais il y a quand même ce cadre noir donc tout autour. Et bien écoutez, que rajouter de plus, hormis un petit test rapide comme ça. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, comme ça, parce qu'on a en préparation donc des tests de montre. Et rapidement, vite fait, pour voir si la caméra Sony 13 mégapixels est vraiment, comme on le dit, ou comme ils le disent, top. Voilà, bon, on la connaît, hein, le capteur Exmor 214. Alors, en tout cas, la mise au point est très rapide. Et effectivement, voilà, vous le voyez, c'est parfait. Très belle définition, ça fonctionne parfaitement côté caméra. Donc, voilà pour le déballage est revu sans test, hein, approfondi bien entendu. En tout cas, déjà, vous avez vu la caméra. La présentation donc de ce Ulefone Power. Power pour puissance. Alors la puissance, il y a grâce à la batterie. Et il est très honnêtement orienté vers du milieu haut, hein, de gamme. Capteur d'empreinte parfait. Double LED. Bon capteur rapide, petit bouton d'accès rapide, un bel écran Full HD, donc en 1080p, hein, puisque c'était écrit. On regardera tout ça lors de nos tests. Et pour information, le Ulefone Power est disponible en trois couleurs, donc ce blanc, donc légèrement avec un dessin strié de cette façon. Il existe en noir et imitation bois, que je trouve personnellement très moche, parce que c'est vraiment une imitation, bref, pas terrible. Pardon. Donc il fait son poids, hein. Je ne l'ai pas dit non plus, il me semble. Il mettait donc CPU 8 cœurs. Bien entendu, c'est un MT6753 à 1,3 GHz. Et je le répète, donc on a 3 Go de ROM, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Extensible jusqu'à 128, donc via le tiroir. Tiroir quand même que j'embraye sur autre chose vite fait puisque je fais quand même une revue. On va regarder tout de suite si ce tiroir est de bonne facture. J'aime bien vérifier ce point parce qu'on a des fois des surprises. L'ouverture se fait parfaitement. Et donc, bien entendu, à ce prix, c'est du sertissage, vous le voyez, hein. Le tiroir est assez fin, mais par contre un découpage, enfin oui, une découpe propre permettant de recevoir donc la carte SIM, micro SIM, deux micro SIM, je ne sais plus, c'est une micro SIM et une SIM, me semble-t-il. Et puis sinon, bah, la carte SD. Dans quel sens ils vont la mettre ici aussi, dans ce, de ce côté-là, comme ça. Voilà. Donc il est juste serti et il y a un jeu. Bon, pas trop important, mais il y a un petit jeu.
L'insertion, nickel. C'est super propre de ce côté-là. Et les boutons, pas de jeu. Jeu très, très, très infime, hein, très minime. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là du tiroir, avec la petite pile qui l'ouvre parfaitement et il se referme parfaitement donc dans son socle ici. Que rajouter d'autre? Moi je suis bluffé quand même là tout de suite, hein, premier aperçu par le Touch ID derrière là qui fonctionne vraiment parfaitement sur la face arrière et c'est plutôt bon de ce côté-là. Voilà, donc par contre vous le voyez, le film marque énormément, énormément les empreintes. Et vous l'avez vu aussi, l'écran, pardon, est très très sensible. Et on recommence avec, voilà, le lecteur d'empreintes qui marche vraiment super bien. Eh bien écoutez, voilà pour la présentation d'emballage donc du Power by Ulefone. Et donc Ulefone là qui sort un modèle, je trouve plutôt pas mal. Après le Paris, là ils sont un petit peu. Ils sont mieux qu'avec le Beatot, je trouve. Hein. Moi, le Beatot, j'ai pas du tout fantasmé dessus. J'ai même été déçu, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Mais là, très honnêtement, voilà le Power. Il sera peut-être bientôt à vous si il vous intéresse. D'abord, on va faire nos tests longue durée. Au moins 8 jours, hein, on va le garder pour tester et on le mettra très certainement en vente ce modèle parce que voilà, il mérite d'être en vente. Et je le passerai à mes amis de la boutique donc sinophonix.fr pour qu'ils le mettent en vente en modèle de test démo reconditionné. Sur ce, la puissance est à vous. On vous dit à la prochaine. Et pour la prochaine, petite aperçu de ce qui vous attend. Voilà un ensemble de trackers, smartwatch différents et il y en a un certain nombre. Tout ça doit être testé rapidement. Voilà pour la Power. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Portez-vous bien, surtout, et n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, un commentaire, et de partager à tous vos amis pour qu'on ait encore plus d'abonnés. On va bientôt atteindre les 500, on est super content. Sur ce, ciao, à plus! Person.